Hey, salut à vous, bienvenue à vous sur Press Action Trading, la chaîne qui vous apprend à devenir un trader rentable. C'est Yann avec vous pour cette vidéo, donc on va apprendre ensemble comment installer un robot trader sur la plateforme MT4. Vous allez voir, c'est très simple. Donc pour ce, on a besoin donc de notre robot trader. Là, en l'occurrence, on a le robot Nové. D'accord? On va le mettre en évidence ici. Nous allons sur notre plateforme MT4. Alors, pour ce, moi, je vais pas le mettre, je vais pas l'enlever parce que je l'ai déjà installé. Donc, il est déjà en train de tourner tout seul. Donc, vous voyez, il est sur EURUSD, GBPUSD et AUDUSD. Il y a déjà des positions qui sont en train de tourner. Donc, on va laisser faire et on va partir ici sur AUDUSD en M5. Donc, pour ce, vous aurez besoin donc de fermer toutes vos fenêtres ici et d'ouvrir simplement d'autres. EURUSD, GBPUSD et AUDUSD en M5. Une fois que c'est fait, que vous avez vos trois fenêtres ici, donc encore une fois, moi je ne le fais pas avec vous parce que donc j'ai des trades qui sont en cours, donc je ne peux pas trop y toucher. Donc, une fois que c'est fait, donc vous allez dans Fichier, ouvrir le dossier de données. Une fois que votre dossier apparaît, vous allez dans MQL4, vous allez dans Expert. Et donc, ensuite, vous allez chercher donc votre robot. Vous faites un copier et coller. Bon, vous voyez, donc moi, je l'ai un nouveau robot scalper. Je l'ai déjà, donc on peut... Je vais pas le recoller, mais vous faites copier-coller. Donc, OK. Une fois que c'est fait, les amis, c'est très simple. Vous allez ici, donc en dessous de insertion, vous cliquez sur le petit onglet là, sur le petit bouton, et vous avez donc cette fenêtre. Vous avez cette fenêtre qui apparaît. Vous faites ici rafraîchissement, clic droit, rafraîchissement. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois. Alors attendez, hop, ici, rafraîchissement. Voilà. Une fois que c'est fait, les amis, vous allez sur vos paires, donc EURUSD. GBPUSD et AUDUSD. Et donc vous prenez votre scalper, clic gauche, vous ne lâchez pas et vous faites glisser tout simplement sur votre graphique et vous avez donc cette fenêtre qui apparaît avec trois onglets. Donc à propos, général et paramètres d'entrée. Donc au niveau de général, vous sélectionnez bien donc long et short, autorisez les alertes, autorisez le trading en direct. Autoriser importation DLL et autoriser l'importation d'experts externes. Ensuite, vous allez dans paramètres d'entrée. Et là, ça devient intéressant. Ici, dans lot, en fonction de votre capital, alors il faut savoir que pour chaque 200 euros, le lot correspondant est de 0,01. Donc vous laissez 0,01 si votre capital est de 200 euros. Vous passez à 0,02 si votre capital est de 400 euros. 0,03 si votre capital est de 600 euros. 0,04 si votre capital est de 800 euros. Et comme vous l'avez compris, 0,1 si votre capital est de 1000 euros. Donc pour chaque 1000 euros, c'est 0,1. Pour chaque 200 euros, c'est 0,01. Donc là, on va dire que le capital est de 200 euros, donc on va laisser 0,01. Dans multiplier, peu importe votre capital, il est important de mettre 1,0. Donc c'est multiplier le nombre de lots. Donc nous, on veut pas que le robot multiplie le nombre de lots à chaque position. Donc on met sur 1,0. Et puis c'est tout. Vous laissez le lot décimal, vous laissez Magic Number. Vous ne changez donc que la taille de votre lot en fonction de votre capital et multipliez donc une valeur de 1,6 qui passe à 1 et vous faites OK. Vous coupez, avant qu'il prenne des positions, vous coupez ici l'auto-trading. Vous coupez l'auto-trading et vous allez dans Outils, Options, et vous allez dans Graphique, tout en bas. Dans bar max historique, normalement, vous avez une certaine valeur, 6000 et quelques. Vous tapez 5000. Donc, vous entrez la valeur de 5000 à ce niveau-là. Et vous entrez également la valeur de 5000 dans bar max graphique.
Ensuite, vous allez dans Expert consultant. Vous pouvez cliquer donc sur Autoriser le trading automatique. Vous ne cochez pas ces trois paramètres-là. Autoriser les importations DLL, bien sûr, elle est cochée. Et vous mettez OK. Donc là, on vient de le paramétrer pour l'ordre USD. Et vous répétez donc cette opération pour vous deux autres paires de devises. D'accord? Pour chaque paire de devises, il va falloir faire cette manipulation. Donc vous pouvez remettre la vidéo pour regarder les amis. Donc encore une fois, ce robot a été conçu pour travailler sur EURUSD, GBPUSD et AUDUSD. N'essayez pas de le faire travailler sur GPB, GPY, etc., USD, CHF. Il va prendre des positions, mais il ne sera pas rentable. D'accord? Voilà, une fois que les positions sont prises, laissez faire, le robot sait ce qu'il fait, d'accord? Surtout ne les coupez pas. Si vous avez bien paramétré en fonction de votre lot, normalement tout devrait bien se passer et devrait vous faire entre 5 et 10% de votre capital par jour, minimum. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu, partagez, likez si elle vous a plu. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai. Je vous dis ciao 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 et à très bientôt.